Ah, des plages de rêve. Une température idéale même au printemps et l'eau pas vraiment froide. Mais avant d'en arriver là, retour en arrière, on est passé par ici. Embarquement immédiat avec les aventuriers Pena pour l'Andalousie. J'avais noté la Playa de los Muertos. Los Muertos. Et je pense que c'est la première qu'on fera, puisque c'est près de c'est la à ville. Carboneras, ici. On va faire un point. Et après, tu vois, Almería, c'est là. Et là, il y a encore toute cette partie-là qui oui, est bien sympa. Le Cabo de Gata, ici. Et tout ce qu'il y a après, c'est à Barbara, il y a San José, puis c'est la Villa, que je disais. Bon, bah, vous savez tout. On va se longer le littoral. Et ensuite, on ira dans le désert de Tabernas. Et puis après, comme on il dit, jouer au cow-boy. On va redescendre. On va ressortir les chapeaux. Ouais. Voilà, et ben on vous laisse parce qu'on a un petit peu de route à faire. Nous avons fait la route du littoral à partir de Arguilas jusqu'à Almeria. D'un paysage alpin, on passe à un paysage tropical. Et tout le littoral andalou s'étend à peu près sur 900 km. Jalonnés de très très jolies plages. On retrouve des maisons troglodytes directement sur la plage. Certaines sont plus ou moins abandonnées. Sur le parcours, nous avons aperçu cette petite tour proche du phare de Carbonera sur la partie la plus haute. On connaissait déjà cette tour en 1497, considérée comme la plus dangereuse de la Sierra de Gata. Ce site sera témoin de nombreuses attaques de pirates. On poursuit notre route et la route du littoral est assez pittoresque quand même, avec sa particularité d'être très étroite, mais par contre, elle offre des points de vue magnifiques, à même la falaise à en couper le souffle. Et ce que j'adore, c'est que passé la colline, vous tombez toujours sur des paysages différents, avec des petits villages typiques blancs avec leurs rues escarpées. Allez, une petite séquence frisson. Attention aux pistes que vous empruntez, elles peuvent être très dangereuses. La preuve. Nous passons d'une piste à l'autre, mais cette fois-ci, celle-ci est un peu moins dangereuse et elle nous conduira à la plage de Los Muertos. Malgré le temps qui se dégrade, on poursuit notre route jusqu'au phare de Cabo de Gata, situé dans la province d'Almeria. Arrivé au phare, vous n'avez plus de route, mais en prenant les sentiers, on peut faire des randonnées dans une zone semi-désertique longeant la mer avec de superbes panoramas. On compte pas moins de 1100 espèces animales au sein du parc, la majorité étant des oiseaux, dont des flamants roses et gris, des hérons, des cigognes, mais plus rarement, un homme perché.
Les algues abritent des poissons comme la dorade, le mérou. Et parmi les mammifères, on trouve les genettes, c'est un petit animal nocturne qui ressemble à un chat, le sanglier, la belette et toujours l'homme perché. Il y a quelques décennies, on pouvait apercevoir le phoque moine, une espèce menacée jusque dans les années 60. Bien qu'on puisse en voir occasionnellement au large, aucun phoque moine n'a été observé sur la plage depuis 1965. Mais par contre, on peut toujours voir l'homme perché. On poursuit notre route, on passe par Almeria, nous rentrons dans les terres, direction Tabernas. C'est le désert. Il va y avoir une bande d'État et ils vont se tirer dessus, là, dans la rue. Tu vois, il y avait la banca. Oui, mais je vais te montrer là-bas. Non, c'est là, ma chérie. Le désert de Tabernas fait partie des 5 déserts d'Espagne. Il est situé à 30 km d'Almeria. Vous avez sûrement entendu parler du désert de Tabernas et ses fameux décors pour les westerns spaghetti ou les westerns américains. Mais c'est vrai qu'admirer un petit peu les paysages qui ressemblent à ceux de l'ouest américain, sauf que en ce moment, c'est un peu moins aride. Adieu. Tu veux y aller? Continue pendant 800 mètres. Tu veux pas t'arrêter là? Bon, on dit après la pluie, le beau temps. Alors on décide quand même de s'arrêter à Fort Bravo, d'y passer la nuit, en attendant que la pluie s'arrête et que le soleil se lève demain matin. Bon ben, vous l'aurez compris, on est à Tabernas et il pleut. Eh bien, on a décidé de pas continuer le chemin. Donc on s'en va, en fait, on retourne. Ben, en fait, on vous le dit pas, vous verrez ça sur la prochaine vidéo. Alors abonnez-vous, salut! Alors là, on s'arrête parce qu'il y a une urgence. C'était super beau. Magnifique.